C'est pour cela qu'on a dit à nos jeunes de ne plus aller en ville, parce qu'eux aussi, ils ont leur pujom chaque année pour fêter avec la commune, avec les autorités de la commune. On a dit qu'on a hérité ça avec nos anciens députés qui sont en train de continuer sur leur chemin. Comme vous avez vu, la population quand même est sortie vraiment. Il y avait beaucoup de responsables aujourd'hui qui sont venus avec les enfants aussi pour venir fêter et faire au revoir à l'année 2023. Bon, c'est un sentiment de joie. Comme vous avez vu aujourd'hui, hein, on a dansé, on a mangé, on a... Vous avez, avec ta population, vous savez que ça, ce n'est pas quelque chose à négliger. Nous, on est là en tant qu'autorité communale, on est là pour eux. Aussi, on a quand même eu des temps à faire, faire avec eux aussi. Moi, je pense que c'est un sentiment vraiment de joie. On dit à tous les Maliens et Maliennes, vraiment, nous sommes dans une situation vraiment qu'on a beaucoup suivi en 2023, que l'année nouveau là vraiment soit une année de prospérité, de santé, de beaucoup de bonheur à tous les Maliens. Vraiment que nos gens qui sont les déplacés, qui sont là aujourd'hui, vraiment puissent rentrer chez eux pour être reconnus dans leurs familles respectives. Doudou Baba Info, revue de la semaine. Revue de la semaine. Doudou Baba.